cas, elle remet les pendules à l'heure aujourd'hui. Et la grande piste ne lui a pas fait peur. Non, tout à fait. C'est vrai que moi, j'étais sûr de ma jument en grande piste. Maintenant, il faut le prouver. Et là, aujourd'hui, c'était parfait. Elle part beaucoup mieux et plus librement. Je crois que c'est la phase descendante qui l'arrange avec son allure. Alors, on va tout dire aux internautes. Hier, je te croise et je te dis, la pouliche, comment elle est pour demain? Tu me dis, j'ose pas me prononcer. Qu'est-ce que tu n'osais pas dire, justement, par rapport à la Classica? Non, mais on se prend tellement de pancartes quand on est deux ou trois avec des chevaux qu'on estime meilleurs que les autres. C'est que je voulais pas être dans l'inconnu. Je pense qu'elle est capable de faire grande piste mieux que petite piste. Mais j'étais pas sûr, je voulais pas affirmer. Avec les poulains, on n'est jamais sûr. Là, elle a pris les devants. Est-ce qu'elle est meilleure comme ça en pratiquant la course en tête? Bah à la maison, je travaille toujours caché pour l'habituer, mais on sent pas une progression fulgurante quand elle sort d'un dos. Donc devant, vu l'amplitude qu'elle prend, je pense qu'elle perd pas de temps. La descente, 7,5, on a pris les chronos. C'était volontaire pour toi de partir très vite? Oui, c'est ce qui est fait très facilement. Donc on perd pas de temps. Vanika était pareil. Ils savent pas forcer, donc pour eux, c'est facile. C'est inné. Ils sont dans la facilité. Elle a du chic en plus. Ouais, peut-être plus belle que sa sœur. Sa cousine. Elle était blonde, elle est un peu plus forte, un peu plus. J'aime bien. La suite de son programme, on poursuit dans les semi-classiques, mais l'objectif prioritaire c'est quoi avec elle? Bah déjà qu'elle reste assez calme parce que là en fin de compte elle est tendue, on va courir les semi-classiques, puis bon, critérium comme tout le monde y pense. Dans les mâles, j'ai rien, donc je pense que j'aurai que celle-là à m'occuper. Philippe, il est redoutable ce Francade. Ah oui, c'est un grand entraîneur. Ça fait des années qu'on court les mêmes courses de poulains régulièrement, c'est toujours les mêmes. Hein. Francane, Frédéric Pratt, Garato, voilà, c'est souvent les mêmes. Hein. Bourgoin maintenant, voilà, qui vient jouer avec nous. Et bah oui, redoutable, une bonne jument, ça marche 13. Lui, il a fait tout à tout jour, avec vent de face en montant. Ouais, c'est énorme ce qu'il a fait sa jument. Et je suis très très content de mes pouliches. Je suis très très content de couleur citron, enfin des deux. Couleur citron. Johan m'a dit si je peux l'exploiter avec les deux rennes, elle s'est mise un peu sur la main, elle est un peu embêtante comme ça. Et on l'a pas mis de déboucherie, il me dit je pense que j'ai de la marge. Par rapport à laquelle j'ai de la marge. Et puis l'autre, c'est plus la vraie jument de vitesse de piste plate. Conception, c'est une vraie petite américaine de piste plate. Mais c'est très bien ce qu'elle fait parce qu'elle est dans deux catégories. Elle marche 13, c'est 13-8, on est ravis. Quoi. Puis elle était près du combat tout de suite. Elle a pas une grande tenue, c'est une vraie jument de vitesse. Oui, elle a peu de métier aussi avec trois courses au compteur. Ouais, elle a pas de métier, mais on sent que c'est plus une jument de vitesse qu'une jument de tenue. Enfin, il y a un beau programme pour ces juments-là. On peut aller s'amuser un jour à l'étranger. Elle va très 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 vite. Autostar et tout. Non, c'est vraiment une grande grande jument de vitesse. C'est plus une américaine. Voilà.